Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft qui est maintenant en mode bêta. C'est ce qui est écrit, je fais que lire. Hein. Donc plein de nouveautés, plein de changements, plein de modifications. Je bouge mon micro, je suis complètement désolé, j'en ai rien à faire en fait en vrai. Non, c'est pas vrai. Mais non, c'est surtout que j'y pense pas en fait sur le coup. Ma coupe, ça va pas le faire si je l'écrase. Bon, c'est pas sûr que c'est assez moche. On a un bronze à ouvrir, pourquoi pas. Hein. Donc rien de nouveau au niveau des objets normalement, en tout cas que je ne sache. En termes d'objets pratiques, en tout cas. Cependant, plein de nouvelles choses. Allez, on va prendre un vaisseau avec lequel, un robot avec lequel on est efficace. Crac. Jouer. Et on part, chers amis, en mode normal. Qui a été complètement repensé. Donc, alors, forcément, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a, Marcus? Eh ben, il y a du bug fixing. Des problèmes de bugs résolus. Vous voyez aussi que le mode est en 5 contre 5. Potentiellement Central Electric de Birmingham qui est une nouvelle map. Des nouveautés dans les jeux, on va pouvoir voir ça ensemble. Enfin dans les games. On pourra voir ça tout de suite. Des modifications aussi certaines choses aussi forcément. Par exemple le bouclier, maintenant vous pouvez plus rentrer dedans dans le bouclier ennemi. S'il apparaît au moment où vous êtes dedans, vous pouvez plus utiliser vos armes. Faut que vous fuyez en fait littéralement. Bref, il y a plein de petites choses. Et donc il y a aussi de nouvelles maps. Alors je m'attendais pas à voir ça. Mais enfin c'est pas grave. On va aller récupérer donc les mines maintenant, chers amis, ça ne s'appelle plus des tours. Comme vous pouvez le voir, ce sont des mines. Hop, et on la capture en étant tout simplement dedans. Donc j'espère que nos copains vont arriver assez rapidement. Puisque là, je suis déjà désavantagé vis-à-vis des autres. Voilà. On va essayer de se rapprocher un petit peu de tout ça. Moi je vais essayer de... Ils sont nombreux. Ils sont trop nombreux pour moi. Mais par contre j'aimerais bien que tu retombes. Voilà, merci. Alors on a toujours du heal à l'intérieur, sauf que les ennemis ne peuvent plus rentrer dedans. Par contre oui, si je suis tout seul de mon côté, forcément je ne peux pas tout faire. Apparemment toute notre équipe est passée là-bas, mais... Bon écoutez, c'est pas grave, hein. Comme je l'ai dit, je ne peux pas tout faire. Crac. Qu'est-ce que je me fais attaquer par quelque chose? Bon, c'est pas grave. Oui, pardon, excuse-moi. Alors, il n'y a plus d'overclocking. Est-ce que tu veux bien m'aider, s'il te plaît, ou pas? Non, bah non, tant pis, m'aide pas. C'est pas grave, faut viser l'armement au bout d'un moment, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. Donc voilà, donc plein de choses qui ont été modifiées, des nouvelles maps. Donc je crois qu'il y a 2 ou 3 nouvelles maps hein, en l'occurrence. 15 secondes maintenant, c'est le temps réglementaire pour réapparaître dans toutes les games, quel que soit le moment. Il n'y a plus d'overclocking, l'overclocking est bloqué au niveau 5 constant. Oh putain, ils sont nombreux. T'es pas sérieux, il peut pas m'attaquer de là. J'étais sur le côté tout le temps. Bah, je suis pas aidé, hein, faut dire. Donc faut peut-être que j'attende les autres avant d'y aller. C'est vrai, parce que là, 15 secondes, du coup, ça change. C'est peut-être un petit peu ce que je regrette, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui changent, du coup. Et on est toujours en MMR, hein. Bien, je rassure, je rappelle qu'on est en compétitif. Hop. Oh, bah merde. Par contre, là, j'aimerais bien que tu vises là où je tire. Par contre, vu le nombre de tirs que tu t'es bouffé dans les armes, j'aimerais bien au bout d'un moment que tu le payes. Voilà, merci. Par contre, on n'est pas aidé par nos copains, j'ai l'impression. Hein.
On n'est pas aidé par nos copains, j'ai l'impression. Pourtant, ils sont meilleurs que nous, comme quoi, vous voyez. Par contre, ça rend du coup le MP un peu plus intéressant, je pense. Puisqu'en fait, vous pouvez carrément EMP des gens dans le truc. Ok, on y va. J'ai été spotted, mais alors par quoi? Ah, peut-être que je vise aussi. Qu'est-ce qui m'arrive? Et mon pote, il m'aide pas? Putain, mais ça m'énerve ça! Alors par contre, oui, clairement, c'est pas un mode à 5, chers amis. Hein. Là, on est 5 dans l'équipe. Il n'y a pas de compréhension pourquoi, comment. Je trouve que 5, c'est juste débile. C'est du 10. C'est... Enfin bon, c'est mon avis. Hein. Enfin bon, du coup, ça rend ce robot qui était efficace avant, complètement inutile maintenant, malheureusement. Donc voilà, une des nouvelles actions, c'est qu'il y a maintenant dans le jeu une... Par contre, il est super solide ce truc, quoi. Une nouvelle mine qui apparaît au bout d'un certain temps. Par contre, oui, j'aimerais bien faire des dégâts. J'ai quand même un sniper, merde. J'ai quand même un sniper. Bah oui, tire pas là où je vise. Alors par contre, ce machin là est super solide et il contre complètement mon sniper, donc c'est la fête. Donc bon. Mais de toute façon, je suis pas aidé par mes copains, hein. Là fallait aller sur le point là-bas, mais bon, c'est pas grave. Et le DPS. Mais bon, c'est... J'ai pas l'impression d'être aidé en fait, je sais pas pourquoi, je... Ah bah oui, d'accord, on a deux mecs qui sont... Off, on est à 3 contre 2. On est à 3 contre 2, 3 contre 5, d'accord. Merci les mecs, j'avais pas capté. Désolé. Marche pas. Oh. Allez. Je suis tout seul. Je suis vraiment tout seul. De toute façon, on est que 3, donc je dis ça, mais... C'est débile. Ah! Mais non, mais dégage! Et oh putain! Mais regardez ça! Il s'est pris 4 tirs de snipe et regardez tout ce qu'il a comme PV encore! C'est dégueulasse! On est vraiment pas aidé par nos potes, hein, putain! Enfin non, mais c'est vrai, on est que 3! C'est débile! Alors là, Free Jam, là vous avez fait un truc débile! Je pensais pas que c'était un 5 contre 5 à la base, je viens de le lire en fait dans le patch note! Et c'est débile! C'est débile. Là, franchement, j'ai l'impression qu'ils se rendent pas compte de la communauté qu'ils ont en fait. Ah, ils sont tous là en plus. Est-ce que je peux avoir de l'aide? Non. Venez surtout pas. Non, Xucom, on fait pas une partie. Voilà, c'est à prendre. Crac. Non, par contre, les snipers sont devenus complètement inutiles. Et c'est casse-couille. Bon, est-ce qu'on peut retreat ou pas? Parce que là, du coup, ça m'intéresse pas du tout de faire une partie où il est déséquilibré.
Merci. Débile. Il y a vraiment des gens qui sont vraiment bêtes et méchants, quoi. C'est de la toxicité. C'est horrible. C'est horrible. Comment on peut pourrir un jeu par envie, par plaisir? Ça me choque, chers amis. Je suis désolé, moi, ça m'écœure un peu, parce que franchement... C'est pas normal. C'est pas normal. Non. Je crois avoir entendu quelque chose d'une habitation. Non, c'est bon. The King est fait. Ah bah dis donc, bravo. Tiens, vous étiez vraiment une merde. Voilà, je te le dis. Si tu te reconnais sur YouTube, t'es une merde. Une grosse, grosse merde. Ok, ben du coup, les snipers sont plus utiles. Puisqu'ils font pas assez de dégâts, apparemment. Mais on va repartir avec, on va bien voir. Vu que c'est un bon robot, normalement. C'était un bon robot. Enfin bon, oui, je vais vapoter à la cam, chers amis, tant pis. Enfin bon, c'est pas grave. Ouais, non, ça me... Je suis désolé, ça me désole un petit peu, chers amis, parce que... on a un nouveau mode de jeu qui est disponible, et les gens, ils vont encore pour sortir de la game. Donc non, je suis pas d'accord, je suis trop dégoûté pour ça, c'est pas normal. Que les gens veuillent, par principe, pourrir une partie. Et c'est pas normal qu'un développeur, connaissant normalement les problèmes de son jeu, j'espère qu'ils sont au courant, qu'ils ont une base de communauté qui est pourrie, balance des mods avec un nombre de joueurs réduit. Je suis désolé, c'est pas normal. C'est juste pas normal. Mais enfin bon. Ce qui me fait penser que j'ai pas rajouté mon code. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'imagine que tous les robots vont être vus pour l'occasion, si je puis dire. Donc, map qu'on connaît déjà, mais modifiée quand même. À modifier normalement. Ok. Alors, je sais pas s'il y a une augmentation de la vitesse à plusieurs. Oui, clairement. Ok. Pourquoi? What? Pourquoi mon robot recule? Putain! Oh! Pourquoi tu recules, robot? Pas me faire croire qu'il va me la mettre pour ça. Mais putain, mais c'est un robot qui a... Regardez ça, il a des cubes qui tiennent, mais... Ah non, c'est ils tiennent. Non, t'as raison, excuse-moi, je crois qu'il volait dans le... Oh là là, ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce que ça, c'était un robot qui était très performant, puis d'un seul coup, voilà, mise à jour, ça devient de la merde. C'est débile. Bon, enfin bon, c'est pas grave, on va arrêter de se plaindre. Puisque de toute façon, se plaindre, c'est mal vu. Eh, hey, mais je te reconnais, t'es une sale... Oh, merde! Faut m'accorder mes tirs quand je touche. Hein. Je l'ai raté. Bien joué. What? Par contre, faut pas exagérer non plus, hein. Est-ce que tu peux me le buter, cette saloperie, ou pas? Parce qu'apparemment, de toute façon, je suis en carton.
Donc apparemment, donc d'une, la portée des Seekers, elle est pas mal. Leurs dégâts ont été bien augmentés, hein, parce que là, franchement, c'est un peu se foutre de la gueule du monde. Et sinon, à part ça, ce serait cool de garder tous nos points. Ah, parce qu'il reste bloqué à cette... J'aurais dû le spotted. Quoi? Eh putain, mais augmentez la portée de visibilité de votre jeu, hein. Merde. Oh putain. Il y a zéro portée. Bah, tu me diras, vu que les snipers sont devenus inutiles. Non, mais ils font pas de dégâts les snipes quoi, c'est violent. Ah oh, putain. Oh mais merde. Voilà. C'est même pas un robot ce qui reste. Voilà, merci. Voilà. Quoi? Il, si vous en avez. Ou de l'aide, hein, tout simplement, mais... Apparemment, j'y ai pas droit. Mais de toute façon... Et c'est forcément nous qui l'avons. Allez comprendre. Il se fait défoncer. Et voilà, il s'est fait niquer. Est-ce que ce machin là a 0 PV en fait finalement? Le maillot détruit, ce qui fait que... Qu'est-ce qui se passe en fait en vrai? Boom, bitch, get out the way. Ah bon, j'ai pas le droit. Ah oui, je viens de me téléporter, donc j'ai pas le droit effectivement. Allez. Ah bah attends, j'essaie de pouvoir vous couvrir d'en haut moi. Je croyais que t'allais me refaire tomber dans le trou. J'ai encore cru d'ailleurs. Putain mais t'es sérieux? Mais c'est même pas un robot à l'intérieur le machin, c'est une carcasse. Voilà, merci de bien vouloir décéder. Allons-y. Allez, on s'enfuit. Ah, c'était pas prévu ça. Ok, vas-y, régène. Ah mais merde. Casse-toi avec ton machin qui est immortel. Allez, régène. On va essayer de sauter là.
Crac. Allez, reviens, je t'attends. Je t'attends. C'est clairement pas un mode à 5 quoi. Merde. Où est-ce qu'il est parti le tir? Qu'on m'explique. Il sert de leurre ou quoi celui-là en fait? Ok. Allez. Hop. The enemy's base shield is down. You can raid it to steal energy. Est-ce que je peux avoir un tout petit peu d'énergie? Un tout petit peu de heal, t'as pas ça, non? Tant pis. J'aurais aimé pourtant. Merci quand même. Donc les snipers ont l'air d'être venus d'être devenus pointless, chers amis, je suis désolé hein. Mais là vous allez pouvoir voir le nombre de dégâts que je suis censé lui avoir. Que je suis censé lui avoir mis. Nombre de tirs que je lui mets. Et monsieur s'en sort toujours hein. Ah bon. Il avait pas envie de rester sur le toit apparemment. Vas-y. Crac. Il y a quelqu'un qui fait mieux que moi, hein. GG à lui. Bien sûr, un deuxième, bah oui. Je trouve, moi, j'ai l'impression que mes snipers font plus de mal en fait. Oh le pauvre. Allez, charge! Je te promets que t'auras plus d'armes bientôt. Crac. Bah lui il a arrêté de se défendre. Et il est immortel au passage. Ok, bizarre. Bon. Bah victoire. Génial. Ah faut arrêter avec les GG, c'est vraiment insultant je trouve, personnellement. Ah mais ils avaient un liver, d'accord, en face. Ok, bon. Bah c'est un mode de jeu qui est intéressant en soi, puisqu'il change. Le problème c'est, est-ce qu'on peut instaurer un jeu jusqu'en alpha, pendant toute une alpha, créer un jeu pendant toute une alpha, et en changer complètement au passage de la bêta. Je suis désolé, c'est plus une nouvelle version du jeu post-bêta, plutôt que d'arriver à une sortie, enfin une sortie qui sera donc utilisée pour faire la promotion sur une version du jeu qui est complètement neuve. Je trouve ça moyen. Enfin bon, les amis, moi je vais vous laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!